Bonjour, bonjour, c'est la suite de la journée du dernier vlog. Il est donc 18h15, j'ai rendez-vous chez le médecin. J'attends dans ma voiture, je préfère plutôt que d'attendre longtemps dans la salle d'attente. Et tout à l'heure, avant de partir... Bon, désolé, on a été coupé et là, j'ai pas le temps parce que je vais vraiment être à la bourre. Je vous reprends une fois qu'on sera à la maison. Je suis revenue. Alors, le truc qui est cool, c'est que j'ai speedé. À 10h59, j'étais à la pharmacie et ça ferme les rideaux à 19h. Donc, j'ai ce qu'il faut. Il est très, très fort probable que ce soit ce qu'on ne peut pas prononcer, là, le truc de 2019-2020. Donc, j'ai un traitement à prendre, antibiotique, qui, même si c'est pas ça, dans tous les cas, ça fera en sorte d'améliorer les choses. J'ai aussi ma petite vitamine D, ça fait un moment, donc ça c'est cool. Parce qu'il m'a bien dit, ouais, dans 6 jours consécutifs de fièvre, là, c'est pas normal en soi. Ça, sur 5 jours, ça va bien améliorer mon état. Donc de toute façon, si c'est le fameux truc, ça fait 7 jours, je ne suis plus contagieuse, ça c'est cool. Et surtout, à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein. I think. Ah oui. Ah, faut que je vous montre un truc. Les fameuses lampes qu'Eric s'est achetées, là. Regardez, il m'a fait descendre, il me dit « Est-ce que tu peux dire... » Je vous montre. « Ok Google, allume la lumière. » Ah, c'est cool, non? Quand je serai dans le noir complet, ce soir, ça va être sympathique. T'es l'excité du bulbe? T'es le petit l'excité du bulbe, tiens bien. « Ok Google, éteins la lumière. » Oh, j'adore. Ah oui, mon fils. Mais t'as été croquette. T'as été croquette, il est 7h10. Par contre, je me suis pris une saucée. J'ai envie de me mettre, vous savez, en pilou-pilou à l'aise. Je me sens moite d'avoir pris la saucée comme ça. Je vais voir ce que je peux faire pour moi. Demain, je vais tester, parce que là, j'ai la flemme, de mettre le tapis dans l'autre sens. Voir comment ça rend. Je l'ai un petit peu fait précipitamment tout à l'heure. C'était histoire de me rendre compte rapidement. C'est peut-être un peu trop boîte de nuit quand même. Je vais voir les possibilités, mais c'est Eric qui a les réglages sur son portable. Tiens, mais il arrive. J'aurais mis quand même un truc un petit peu plus léger au niveau de la couleur. Mais ça m'embête, hein, je disais pour la bonnette. Là. Ouais, mais j'ai pas fait gaffe, j'étais en fièvre. Je sais pas où je l'ai foutu. Par contre, on est d'accord. C'est joli l'ambiance vue d'ici. Je les prendrai demain, les antibios. Il m'a dit c'est pour également éviter une surinfection. C'est à spectre large. Ça va taper un peu partout. Je vais me faire des spaghettis avec des œufs durs. J'ai fait cuire mes spaghettis al dente et là je fais revenir à la poêle toujours, je préfère. Et je vais rajouter les œufs. On en pense quoi de mon assiette? Moi en tout cas j'en pense que du bien. Elle est belle, je vais mettre un peu de beurre. Je mets jamais de beurre moi. Sauf le matin un peu sur mes tartines, mais là j'ai envie de me faire plaisir. En même temps je suis en convalescence. Ouais, bien sûr. Un petit coup, un petit coup. Non. Cesse. Non, 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 non. Va à ta place. J'ai plein de trucs à regarder, mais qu'est-ce qu'on regarde quand on mange des spaghettis? Un petit épisode de L'amour est dans le pré, discretos. Eric est monté, ça va aller. C'est une nouvelle journée, il est déjà... Ah oui, il y a une coupure de courant, donc ça n'a rien à voir. Il n'est pas 13h23, c'est pas possible. Il est 15h42, voilà. Je me suis encore réveillée avec la fièvre, c'est fou ce truc-là. Bon, de toute façon, j'ai pris mes antibios, donc ce midi-là, ça devrait calmer l'histoire. Et le tapis, alors, beaucoup de réactions et beaucoup de... il faut le mettre dans l'autre sens. C'est vrai, je devais faire le test, mais vous avez vu, j'étais dans le speed, donc j'attendais de le faire avec vous. C'est possible que ce soit... Enfin, ce soit un petit peu plus harmonieux, comme ça. Donc on va regarder ça. Et j'ai même pensé, le fameux tapis que j'ai vu, la vert un peu sapin, peut-être je vais retourner au moins pour vous montrer, voir son prix, et je ferai une photo pour imaginer si ça peut matcher chez moi. Attends, on va se mettre comme ça. Voilà, ça va pas être super vision pour vous en fait. Ah, je sais, je vais faire un truc comme as peut-être. Ah ouais, mais le truc, c'est qu'effectivement, ça, si je le mets dans l'autre sens, ça sous-entend de soulever. Comme vous avez dit, le canapé, il pèse extrêmement lourd. Bon, attends, déjà, on va tenter. Je vais être obligée, en tout cas, cette partie, de la surélever pour passer le tapis en dessous. Une belle percée.
là, on est pas mal. Je vais mettre la table basse et on va vite voir. Par contre, je suis en train de me demander, pour l'équilibre, là, je pense qu'il faut que je le décale un tout petit peu par là. Voilà. Ça. Vous remarquerez que la jaquette n'est pas dans les pattes. Il fait son dodo. Il est 15h48, dans 12 minutes, il va débarquer dans l'intérieur. Ça me semble quand même plus harmonieux. Il y aura peut-être des motifs à faire encore. Au niveau de peut-être plus par là, je sais pas. Hop. Là, je vais faire les fameuses petites courses que je devais faire ce matin, mais comme j'avais déjà les antibiotiques, c'était moins pressé. Je vais faire mon petit détour but, histoire, ça va être rapide, hein, de vous montrer le tapis que j'ai dans ma tête. Par contre, les antibiotiques, des barres. Peut-être que c'est le fait que j'en ai pris deux d'un coup. Ça m'a, au bout de 2 heures, j'ai fait ah, ouf. Et quand je vous dis qu'il a une horloge dans le ventre, il vient de descendre, donc les coquettes tombent dans 1 minute 30. Hein ? Ça, c'est du gros dodo, son Jackie. Hein ? Alors, faut que je vous montre. Je pense que je vais filmer dès qu'il sera 16h. Parce qu'en fait, il se propulse. Là, il va peut-être pas le faire. Il est tellement excité qu'il en fait tomber la chaise haute. Ah, mais attends, je suis en train de me dire, il y a une coupure de courant. Voilà. Bon, là, il l'a pas fait tomber. Par contre, il m'a laissé des poids lourds. Voilà, c'est la jaquette. Peut-être attendre un petit peu, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir le tapis, mais là il se passe un truc un peu chelou. En fait, tout à l'heure il y a eu une coupure d'électricité à la maison. Ça a duré peut-être 3 quarts d'heure, mais c'était généralisé dans toute la ville. Et là en fait, les feux ne fonctionnent plus. Donc c'est un peu l'anarchie. C'est particulier. Bah écoutez, je le voyais pas comme ça. Finalement, je suis bien contente d'avoir pris celui que j'ai pris. Ouais, il est plus, je sais pas, il est plus lumineux. Et je pense que celui-ci n'aurait pas du tout été. Par contre, je trouve ce fauteuil magnifique. Là, le vert me plaît beaucoup. Ah ouais, il est très très beau. Le prix aussi, vous me direz, ah ouais, 170. Je viens de tomber sur une affiche qui est déjà encadrée. Je l'ai pris, je le trouve trop beau. Et vraiment, je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais ça m'a plu. Vous verrez ça à la maison. Changement de programme, j'ai trouvé 2 éléments. Ce que je vous ai dit, le cadre, plus un photophore, je vous montrerai à la maison. En fait, là, j'allais, il est 17h, presque 17h10, et j'allais faire mes 2-3 courses qui sont pas des urgences en soi. Mais j'ai reçu une photo. Un mec qui mange plein de croissants. Donc je me suis dit, ok, il y a un petit message. Je lui dis, ça te dit qu'on aille se prendre un truc, qu'on se retrouve à la boulangerie. Et bah oui, donc voilà, dans 10 minutes, on se retrouve là, dès qu'il a fini les cours. C'est un programme sympa aussi. Hein. T'as eu la coupure d'électricité aussi ou pas? C'est infernal, hein? Bah ouais, moi ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure. Non mais attends, ce que tu ne sais pas, c'est que les feux, là je suis passée, ils marchent pas du tout. C'était le bordel, ouais, en plein centre. Non. Moi je me suis pris un chausson de pomme parce que la dernière fois je suis venue avec ma maman et elle m'a dit goûte. Moi je suis pris un chausson de pomme habituellement et j'avoue que l'heure me file. Rouge, exceptionnel. De retour, plusieurs passes, plus je suis fracasse. Les antibios ça couche quand même. Je dors debout. Eric me dit ça va, t'as l'air, tu planes à 10 000 un peu. Je vous montre. Le cadre, le visuel m'apaise. Je suis passée devant, il m'a fait du bien. Je me suis dit bah prends-le. Il était à 59,99€, je l'ai eu à 35%, bah ça valait le coup. Oh merde, faut que j'ai mis du vernis. Voilà, que je nettoie ça. Bon. Regardez, sans qu'il y ait de reflet, si je fais comme ça, ça me paraît bien. C'est, hein, on est d'accord, c'est apaisant. Hein. Il est trop mal. Et la chaise maître nageur, là, je vais peut-être la mettre dans mon bureau. Je vous montre la deuxième chose, et je pense qu'il va être très beau. Je voulais prendre une bougie LED, mais ça se vendait que par 3. Je vais essayer de vous montrer le résultat tout à l'heure quand j'aurai tout éteint. 8€. Photophore, c'est bleu foncé, voilà. Uliverse. Il y avait en plus petit, encore plus grand et encore plus grand. Si jamais ça vous intéresse. C'est tout pour le moment. Ah, c'est bon. J'ai réussi à retirer avec un. Je viens de fermer les volets. Comme ça, on va pouvoir faire le test du photophore. C'est joli. Ah ouais, j'apprécie l'ambiance. C'est exactement ce que je pensais. Je ne regrette pas du tout mon achat. On voit bien hein, tous les petits motifs. Voilà. Comme j'ai vu qu'il était crevé de sa journée, il a fait 8 heures de cours, je lui ai proposé une petite pizza. Il était très content. Moi je pense que je prendrai une petite part ou deux et puis hop, je garderai le reste pour demain midi, voire même demain soir. Est-ce que vous entendez le petit Bilou? Il est en train de boire à sa fontaine.
Voilà, je fais un cadrage, j'ai un chouïe zoomé. C'est top, hein. Alors, son biou, t'as bien bu? C'était bon? La pizza est arrivée. J'ai pris une pépina, donc c'est que des petits légumes, elle est bonne. Petite pâte fine. Alors, ça va être très bien pour ce soir. Bah oui, mon Jackie. C'est une nouvelle journée avec les cheveux tout propres. Je les ai laissés sécher naturellement, c'est pour ça que c'est un petit peu le bazar. Pour éviter de trop les sensibiliser en les lissant. Il est midi et demi. Je ne me suis pas réveillée ce matin avec de la fièvre. C'est très efficace ce truc-là, les antibiotiques. Il faut que je le prenne là. 7 jours, j'aurais eu 7 jours et 8 jours de fièvre. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est terminado. Bon, je vais encore faire mes 4 jours de traitement. Après le repas, pour pas trop traîner, je vais aller enfin faire mes 2-3 courses. Là. Enfin, je dis 2-3, ça va se finir en 10-12 courses. Et après, je dois régler 2-3 petits trucs aussi. Et ça sera déjà pas mal. Eric va pas tarder, là, il finit à midi et demi. Voilà, ça va être ma petite assiette du midi. Ah, c'est papa l'arrive. Je vais vous montrer, avant qu'il ne retourne au lycée, les différentes variantes. Est-ce que tu peux faire légèrement... Ah non, t'y arrives pas. Légèrement moins rose. Voilà, c'est plus violet, ok. Fais un peu tout, hein. Ça, c'est vert. Bah, vert, non, c'est pas vert, là. Non. Y a un problème. Il a pris le vert. Il a pas pris le vert. Non, il a pas pris le vert. Il a pas fait le vert. Mais non, parce qu'il a peut-être marre. Bon, bah, c'est pas grave. Remets-moi un petit... Ouais, c'est bien, comme ça. Fais une petite ambiance. Il y a certaines couleurs que j'arrive pas à faire. Bah ouais, je sais pas. Le vert, il le prend pas. Non, regarde. Mais c'est pas ton... Ton quoi? C'est pas ton... Ah, abat-jour qui est violet. Mais non, il est blanc, mon abat-jour. C'est sûr. Voilà, tu vois qu'il est blanc. D'accord. C'est joli celui-là, hein. J'aime bien aussi, moi. Ça, c'est le blanc... Bon, c'est plus classique, cool, hein. Cool white. Ouais, cool white, j'aime bien aussi. Ouais, mais ça fait trop rose, là. Comment? J'ai bossé. Oui, bah oui. Je devrais être petit. Je vous le dis, là, je suis saoulée, en fait. Il est 3h13, j'aurais dû déjà aller faire mes courses, revenir. Le problème, c'est que je ne trouve plus ma carte bleue. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était hier soir, je l'ai mis dans le bureau d'Eric pour payer les pizzas. Donc il ne me l'a pas redescendu. Et depuis, j'ai tout retourné depuis tout à l'heure. Ça rend dingue. Mais vraiment, tout retourné, je ne la trouve pas. Le truc, c'est qu'elle n'est pas perdue en extérieur, elle est forcément dans la baraque. Mais ça me bloque. Et puis j'aimerais bien être rassurée. Donc je lui ai envoyé le petit message, je sais qu'il est en cours. Mais il me dit non, déjà il ne l'a pas avec lui. Et c'est pénible. Et je sais que là il finit, il est 3h14. Il finit à 3h15, je crois justement. Et après il enchaîne, il a un petit rendez-vous coiffeur. Donc bon, j'aimerais bien qu'il passe à la maison quand même. Parce qu'en soi, hein, j'ai juste à faire une manip et puis je la bloque. Mais j'ai pas trop envie quoi de la bloquer. Parce que je sais pas combien de temps ça prend et pour la redébloquer ce que ça fait. Et en même temps, ce serait ridicule de la bloquer alors qu'elle est à la maison. Vous voyez? Et puis maintenant, c'est quand même contrôlé, il y a des codes, il y a des machins, dès que tu fais des transactions, il faut, enfin, c'est quand même très sécure. Mais c'est le principe, puis là, j'étais contente d'aller faire mes courses, mais même si on la retrouve, après, ça va être trop tard. Ah bah, tu vois. Oui. Oui, c'est moi, t'en es où? Bah, j'en suis que je la trouve pas. J'arrive à la maison. Ok. Et je me suis dit, tiens, je vais la descendre pour lui donner. Ah ouais, non, mais si tu commences comme ça, là... Oh, mais là, ta mémoire, elle est courte. Hein. Oh oui. C'est pas gagné, hein. Je vous le dis. Il a rendez-vous à 16h en fait, il est 3h30. Il me dit qu'il l'avait dans la main, il s'est plus hier soir ou ce matin, en se disant il faut que je lui donne. Après, blackout. J'espère qu'il ne l'a pas emmené au lycée, hein. Par inadvertance. C'est pas toi qui as piqué la carte pour aller acheter en douce des croquettes. Il serait capable celui-ci. Hein. C'est pénible. Hein. Alors? Dans les toilettes. Dans les toilettes, il va voir. Tu rends ta carte avant d'oublier. Ah ouais, là, ça va finir, tu me l'as donné après. Oui. Non, il n'y a pas eu de carte, il n'y a pas eu de transaction. Non, tu vois, je suis gentille, mais là, ça va m'énerver. Il faut bien que je vérifie partout, non? Donne-moi ton sac. Non, commence par retourner tout. Non. Ah si, t'as retourné mon bureau, je retourne ton sac. Je l'ai retourné 15 fois. Non, mais c'est pas drôle, franchement, ça me fait pas rire. Vas-y, là. Non, mais j'ai pas le temps, là, de retourner, je te dis que c'est pas là-dedans. Non, mais 2 secondes, parce que moi, je dois partir, je suis coincée. Eh bah, tu perds du temps, je veux la carte, en fait. Elle était dans le truc bleu. Hein. Oui, mais tu perds ton temps. Elle n'est pas. Tu crois que j'ai pas eu le temps là de tout retourner? T'as retourné ton sac? Oui. Je suis même allée voir sur mon compte s'il n'y avait pas une transaction chelou. Il n'y a rien. Mais je sais que en soi c'est pas possible, mais c'est chiant en fait. Je peux plus rien faire, plus retirer de cash, plus payer. Ah, écoute, on prendra. Tu veux pas faire plutôt travailler ton cerveau? Non, parce que là je suis. En te remémorant à quel endroit t'étais et là. Bah si. Je suis parti, je suis sorti. Mais quand déjà? Quand? Hier ou ce midi ou ce matin. Avec la carte, j'ai fait tiens. Et je sais que tu étais assise dans le canapé au moment où je l'ai prise. Ça, je le sais. Ah bah alors, c'est hier soir, alors.
C'est hier soir. Là. Parce que le canapé, c'est hier mais soir. Mais je vous ai dit, tiens, je vais rendre sa carte. Donc tu ne l'as pas fait. Non, parce qu'il y a entre-temps, il y a quelque chose qui m'a détourné de mon mission. Tu l'aurais pas mis dans la salle de bain et tout ça. Peut-être. Je suis capable de tout. Ouais, super. Bon, ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est ma bouteille, ça. Ouais, non, prête. Je cherche, ça se trouve, j'ai fait. Tiens, je vais donner cette carte. Mais d'abord, je vais prendre un petit dessert. Mais il n'y a rien de drôle, hein. Ben non, il n'y a rien de drôle. Je suis en train d'essayer de reproduire ce qu'on a créé. Ouais. Pourquoi ça me tue, quoi. En plus, j'ai des spasmes là, ça donne la nausée, là, les antibiotiques. Constamment. Vas-y, je vais dans la salle de bain, il est capable. C'est épuisant de retourner toute une maison. Bon, il est parti à son rendez-vous, forcément, mais je sens pas cette histoire. Moi, je suis pas dans sa tête, donc je sais pas ce qu'il a foutu. En plus, c'est le week-end, c'est ça, je peux même pas aller à la fin. Oh. C'est pas grave. Sinon, eh bien, je vous annonce la fin de ce vlog. Voilà, on va se retrouver lundi pour la suite des aventures, soit... ouais, si, de toute façon, c'est ça. Parce qu'en fait, je pensais... je vous ai pas dit, mais j'ai enfin reçu les biscuits que Jack a mangés. Donc, je vais pouvoir expédier les toutes dernières box et tourner la vidéo de présentation. Donc, elle sera... Je sais pas si je la mettrai lundi à la place du vlog ou mercredi ou je fais l'inverse. Bon, bref, de toute façon, je continue à vlogger. Je vous fais un gros bisou et merci de m'avoir suivi. Ciao.